le plus grand guerrier jamais vu dans les 9 villages de Umuike. Ojoku n'a jamais perdu une bataille. Il est la raison pour laquelle Abani est craint parmi les 9 villages de Umuike. Ojoku vient à peine de gagner la grande bataille de Miriabo contre le peuple de Hidani. Il a perdu absolument tous ses frères et tous ses amis guerriers durant toute la bataille. Il est le seul homme qui a survécu et qui a apporté la victoire au peuple de Akbani. Ojuku, 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 Ojuku,
Oh Joku, mon fils, bienvenue une fois de plus. Merci infiniment, mon roi. Merci beaucoup d'avoir apporté la victoire une fois de plus à Abané. Et sois le bienvenu. Merci. Et que le Dieu te bénisse. Issé. Et que tu ailles de l'avant, mon fils. Issé. Délégué Nouye. Issé. Délégué Nafo. Issé. Délégué Nou. Issé. Et tu ne manqueras de rien. Issé. Ce soit ton partage. Issé. Abani Pan. Ya. Mwan. Ya. Zon. Ya. Kachan. Yo. Nous devons louer les dieux pour ces jours comme celui-ci. Nous devons remercier ce Dieu pour nous avoir donné ses fils, comme Ojoku. Il est un bonheur pour tout le monde ici dans ce royaume. Il n'a pas gagné n'importe quel combat. Oui, vous avez raison. Nous remercions le Dieu pour nous avoir donné un fils comme Ojoku. Nous devons aussi avoir le sentiment de remercier Ojoku pour avoir été un vaillant guerrier, pour nous avoir épargnés entre les mains de nos ennemis dans plusieurs occasions. Ojoku, tu es le bienvenu. Nous te remercions de nous avoir donné la victoire. C'est à cause de Ojoku que nous sommes un village, un grand village dont tous nos neuf voisins ont peur. En effet, il doit être récompensé gracieusement comme un vaillant guerrier et le digne fils de ce village. Ojoku, tu es le bienvenu encore une fois de plus. Merci, Ono. Je te remercie. Mon roi, Ono, le peuple du royaume d'Abouané, je vous salue tous. Le Dieu nous a encore fait grâce. Nous devons leur offrir un très grand sacrifice et le remercier pour ce qu'ils ont fait pour nous. Et c'est moi. Nous t'avons écouté. Mais avant tout, nous devons remercier Ojoku. Il a fait des grandes choses dans ce village pour nous. Ojoku. Mon roi. Abani. Il t'a offert un terrain à côté de la rivière du Myriab. Et qu'il soit fait ainsi. Merci, Votre Majesté. Ojoku, mon chéri. Oui. Le Dieu m'a vraiment béni, ainsi que toute la communauté, en faisant de toi un fils de cette communauté. Je suis très béni d'avoir une relation amoureuse avec toi. Tu me flattes beaucoup, mon amour. Écoute, laisse-moi te dire. Je suis juste quelqu'un en qui les dieux ont fait faveur. Ce n'est pas comme s'il y avait quelque chose de spécial ou... Il n'y a que les dieux qui ont décidé de me favoriser et c'est tout. Si c'est une faveur venant des dieux comme tu viens de les dire, alors pourquoi les dieux n'ont pas fait faveur à d'autres personnes comme ils l'ont fait avec toi? Ojoku, mon amour. Oui? Je sais que les dieux t'ont fait faveur. Mais tu es un homme fort et très puissant. Tu me flattes beaucoup trop. Écoute, laisse-moi te dire, nous ne pouvons pas décider à la place des dieux sur qui ils devraient favoriser. Ils favorisent quiconque ils veulent favoriser, alors... Juste arrête avec tes flatteries, amène-moi ma nourriture parce que j'ai faim. Ok, mais promets-moi une chose. De quoi il s'agit? Que tu m'appartiendras jamais. Bien sûr, je suis ici pour toi, je n'irai nulle part. Ok, laisse-moi aller prendre ta nourriture. Ok. Ekene? 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 Ekene?
Ekene, Ekene, qu'est-ce qui t'arrive? Ekene, Ekene, hey, il est mort. Ekene, 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 où vas-tu? Ne me laisse pas. S'il te plaît, ne nous fais pas ça. Tu sais que tu es mon unique frère. Ekene, 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 s'il te plaît. Ekene, 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 ne nous fais pas ça, s'il te plaît. Nous t'aimons encore. Nous t'aimons encore. Ekene, Ekene. Obidiki. Hein? Dis-moi, il y a plus de l'eau? Il en reste seulement un peu. Ok. Toto, Oma, j'espère que vous avez bien dormi. Oui, Naï. Maintenant, écoutez-moi bien. J'ai quelques petits travaux à faire. Je vais partager les tâches que vous devez faire vous toutes ce matin. Awele, prends ceci et balaye la parcelle. Je veux le voir à mon retour. Très bien fait. Très bien fait. Udoka, toi, pars puiser de l'eau. Nous avons plus de l'eau dans cette maison. Zakle, et toi, pèle le bois. Je vais juste te voir peler le bois avant que je ne parte. Je ne vais pas rentrer et découvrir que tout ce que je vous ai demandé de faire et que vous n'osez rien faire. Je ne vais pas voir. Oh papa, je n'ai pas fait ça. Oh papa, pourquoi? Ce que je vais vous faire, vous n'allez pas l'apprécier. Et n'oubliez pas de préparer un outil pour moi. Comme je disais, j'avais un peu beaucoup duré. Zakle. Hein, Naï, tu n'as pas été énervé. Oui, Naï. Mais Naï, moi je vais te suivre. Ne commence pas à plaisanter avec moi. C'est ce que vous devez commencer à faire tous les matins. La première chose que vous devez faire, avant de faire tout ce que vous voudriez faire, pas appeler les bois. Et Nano, je ne vais pas entendre « Oh papa, oh !» Que personne ne vient me dire « Oh papa !» Hein? Hein? Awele! 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 Awele, s'il te plaît, réveille-toi! Awele! Réveille-toi! Awele! 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 Réveille-toi! Awele! Quelquefois, je ne comprends pas du tout le dieu. À la place de célébrer le triomphe d'Ojoko, nous sommes là en train de faire le deuil de notre peuple. Orena, ma sœur, le pire est que tous meurent de la même façon et tous sont frappés par la foudre. Premièrement, c'était Agumba. Ensuite, c'était Joma. Et maintenant, c'est le tour d'Awele. Alors, qu'avions-nous fait pour être punis de cette façon? J'ai vraiment peur. J'ai pas envie de mourir. Je prie pour que Igwe ainsi que Ono puissent trouver une solution parce que j'ai vraiment peur de mourir. Moi aussi, j'ai pas envie de mourir. Que le Dieu nous pardonne. Ici, eh ben, ma belle, les rois avaient annoncé que tout le monde devait être au palais aujourd'hui. Ne traînons pas, ma belle. Allons-y. La déesse de l'eau est en colère. Hey! La terre a été souillée. Les lois de cette terre ont été brisées par celui qui devait le protéger. Les dieux sont en colère. Et si nous ne réussissons pas à les apaiser, leur colère consumera Abouane. Hey! Ezewan, s'il te plaît, qu'est-ce que nous avons fait pour provoquer la colère de Dieu à ce niveau? Ma fille est morte à cause de ce processus. S'il te plaît, montre-nous les personnes qui sont responsables de ces actions. Je suis sûr, notre roi saura quoi faire. Parle-nous. Ojoku. Hey!
le fils de Chukuma. Il doit venir au palais tout de suite. Vous devez agir, mon roi. Vous devez agir. Garde! Mon roi. Amenez-moi Ujuku au palais. Immédiatement. Je veux le voir ici. Je te salue, Ujuku, fils de Ujuma. Salutations, grand guerrier de Agbani. Quel message m'apportez-vous du palais? Le roi a besoin de toi immédiatement au palais. Ah, alors dites au roi que je serai avec lui dans pas très longtemps. Non! Il a dit que je dois venir avec nous immédiatement. Allons-y alors. Salutations, mon roi. Igwe, vous avez exigé ma présence. Ujuku, fils de Chukuma, c'est moi qui t'ai appelé. C'est Ezemoi qui a demandé de te faire venir. Alors, Ezemoi, Ujuku est ici. Dis-nous ce qui s'est passé. Parle-nous. Ujuku, fils de Chukuma, il a bu de l'eau dans la rivière d'Engene le jour d'Ungwanu. Et nous savons tous que c'est interdit par les dieux. Maintenant, ils sont en colère. Et leur colère s'abat sur nous. Mon roi, j'avais très soif et très abattu de la bataille. J'avais oublié que c'était le jour de marché d'Oko ce jour-là. Et j'avais bu de la rivière. Ezewagne, comment puis-je apaiser les dieux? Ezewagne, comme elle m'a dit de dire, ce n'était pas son but. Oui. Il ne l'avait pas fait exprès. Oui, c'est ça. De boire de le village d'Inke. Essayons de trouver un moyen pour essayer d'apaiser les tirs. Je sais que c'est possible d'apaiser les dieux. Onohu, tu parles comme un enfant. Tu es un adulte. Alors tu dois savoir que les lois des dieux ont été faites par les dieux. Et cela ne peut être brisé par l'homme. Peu importe ce qu'il est. Il y a une seule solution à ces problèmes. Oui, oui, dis-nous. Dieu, merci. Et c'est moyen. L'œil des dieux.
Il dit que n'a pas encore. Hein? Ojo est boni ici. Où tu n'es que n'y est. Dis-nous donc. Que devons-nous faire? Parle-nous. Ojoku doit être banni de ce royaume. Hey! Ah! Non! 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 Hey! J'ai dit silence. Ojoku doit quitter cette terre. C'est le seul moyen pour apaiser la colère des dieux. Ezewan. Ezewan. Comment tu appréhendes cette situation? Hein? Très critique. Hein? Pourquoi ne réglons pas ces... de façon vraiment très raisonnable? Ce qu'on veut lui faire n'est pas juste. Hein? Oui. Hein? Ojoku se bat réellement pour cette communauté. Et comme on est fait... Il revenait juste du champ de bataille. Il s'est battu à notre place. Oh oh, il a risqué sa vie. Et à son retour, il avait soif. Il devait étancher sa soif. Et comme tu disais, ceci est un grand problème. Alors ce que j'ai dit et ce qui est nécessaire, c'est ceci. Voyons maintenant comment on peut contourner ces problèmes. Oui. Parce que si Ojoku avait perdu ce combat, il n'aurait plus à Bani en ce moment. Oh hey, les dieux n'allaient plus avoir de place ici à Abani. Alors, essayons de voir un peu les choses dans cet angle-là. Essayons d'apaiser les dieux. Il n'y a pas une autre solution, Onowu. C'est la décision finale des dieux. Nous devons y obéir. Ojoku doit quitter cette terre dans l'immédiat. Non! Silence! Il doit partir pour ne plus remettre ses pieds dans ses royaumes. Hey! Aisez-moi. Et s'il te plaît, tu dois nous aider. Il doit avoir une autre façon. Ezebano Mukuo. Ibo Mimwe. Enyemi ici. Aide-nous avec cette situation. Permets à Ojoku de rester avec nous. Et nous trouverons une autre façon pour résoudre ces problèmes. Et je t'en supplie. Mon roi, Ojoku doit quitter Abane. Sinon, les dieux vont tous nous détruire. Hey! Mon roi, pendant plusieurs années, j'ai consacré ma vie à Abane. J'ai sacrifié mes propres frères sur champ de bataille, juste pour sauver Abane. Si quitter Agbani est le seul moyen de le sauver encore, ainsi soit-il dans ce cas. Hey! Ezewan, conduis le chemin. Hey! C'est inconcevable! Hey! Silence! Hey. Pour le péché commis, un prix doit être payé. Hey!
Adjani t'a rejeté. Quitte Abani aujourd'hui et ne reviens plus jamais. À partir d'aujourd'hui, tu es devenu un paria. Ma fille, tu aimes beaucoup des histoires. Il t'arrive de passer toute une journée en train d'écouter des contes. Bien. Je te raconterai une autre histoire. Mais pas aujourd'hui. Et je te raconterai une autre histoire demain. Hein? Ok. Non, merci beaucoup. Mais papa, tu ne penses pas que les dieux sont tellement méchants envers Djoko? Il n'a rien fait du tout. Il avait soif. Oui, il avait soif lorsqu'il revenait de la bataille. C'est par là qu'il avait risqué sa vie, en sécurisant Miyago pour nous. Je te comprends, ma fille. Mais tu vois, tu n'es pas la seule à le dire. Les dieux savent plus que nous et ils voient aussi mieux que nous. Voilà la raison pour laquelle on dit que les dieux sont sages. Donc, quand ils prennent une décision, il n'y a absolument rien que quelqu'un pourra faire. Et comme tu peux le constater, c'est une décision venant de Dieu. Mais papa, je pense qu'Ojoko mérite d'être pardonné.
Surtout pour les sacrifices qu'il a fait pour le peuple. Ma fille, c'est ce que nous pensons tous. Et nous ne sommes pas ceux qui prendront ces décisions. Et comme tu peux le constater, ce sont les dieux qui ont pris cette décision. Tel est le jugement des dieux. Et il n'y a absolument rien que nous puissions faire à propos de ça. D'accord alors. Papa, je dois continuer de travailler. C'est bien, ma fille. Salutations, salutations. Mes salutations, très belle demoiselle Dagbani. Rappelle-toi du tuile et que rien n'arrive, mon roi. Je répète que rien n'arrive à mon roi. On ne s'est jamais vu.
salutations, Ikemba. Salut, ma princesse. Je vais aller à la rivière prendre un bain. Le soleil s'est déjà levé. S'il te plaît, envoie les gars pour m'accompagner. Ma princesse, vous n'avez rien à craindre. La voie est libre. Je viens à peine de passer par là. Vous pouvez partir. Ikemba, es-tu sûr? Je te demande. Abane est un endroit paisible. Ma princesse, vous pouvez partir. Ok, comme tu l'as dit, je te crois. Allons-y. Au secours! À l'aide! Au secours! À l'aide! Au secours! Au secours! Venez nous aider! Thank you.
Ugwe, avant le festival de Zinyam, nous tous nous étions d'accord que la fille d'Okafu devait être notre femme. Exact. Mais le problème est que j'ai une opinion sur laquelle nous devons revoir le règlement du mariage. Oui, les habitants de Abani. Hey! Oh mon Dieu! Ugwe! Les filles d'Abani, et qui est-ce qui est derrière vous? Où est passée ma fille? Parlez, tu vois, on vous écoute. Ugwe, emportez Ugwe. Emporté à la rivière et la princesse a été kidnappée. Hein? Kidnappée? Qu'est-ce qui se passe? Oh! Ma princesse! Hein? Ma propre fille! Elle est kidnappée! Kidnappée? Hein? Mon roi! Ouralo! Garde! Mon roi! Allez chercher ma fille! Maintenant! Et vous? Oui. Allez avec eux. Montrez-leur où on se l'a kidnappé. C'est une surprise. Dans notre royaume, que se passe-t-il exactement? C'est par où? Par là. C'est par là. Dépêche-toi. Vite. Par là? Où ça? Oui, quelque part ici. Alors c'est par où? Oui, ils c'est étaient partis comme ça, oui. Combien oui, tu dis là. Qu'ils étaient? Ils étaient trois. Oui. Maintenant retourne parler. Dépêche-toi, okay. Allons-y. Mon roi, il y a un problème. Le village est envahi par le marchand d'esclaves. Ils ont la princesse et d'autres villageois. Ils sont toujours en vie, mais en captivité. Aisez-moi. Qu'allons-nous faire? Dis-nous ce qu'on doit faire. Tu sais très bien que la princesse est l'unique enfant que j'ai. Alors, qu'allons-nous faire? Mon roi, sauver la princesse n'est pas notre seul problème. Le grand problème est que ces marchands d'esclaves reviendront pour capturer d'autres esclaves. Ezewan, si c'est si tenté de répandre encore dans cette communauté, que ferons-nous? Comment allons-nous nous défendre nous-mêmes? Aisez-moi. Onowu a raison. Qu'allons-nous faire? Qui va nous libérer de ces monstres? Et qui est-ce qui se battra pour nous? Et qui est-ce qui va libérer la princesse et les autres? Dis-nous ce qu'on doit faire. Votre Majesté, nous aurons besoin de plus de guerriers qui se battront avec eux une fois qu'ils reviendront. Ezewan, tu parles comme si tu ne vivais pas avec nous dans cette communauté. Tu ne seras plus arrêté la tempête. Hein? Vous et moi, toutes les personnes dans cette communauté, savons que nous avons perdu tous les guerriers pendant la guerre des Miyago. Le seul guerrier survivant était Ojukwu. Et Ojukwu est le seul. Il est le seul à les battre sur le terrain. Maintenant qu'il est exclu, que ferons-nous? Disons-le très bien que Abani est un petit clan. Qu'est-ce que nous devons faire, Ezewan? Et s'il ne faudra parler que des guerriers, nous n'en avons pas. Tout ce que nous avons, c'est cette jeunesse, cette petite jeunesse grandissante. Ni Manama Gejedou moi. Qui est-ce qui se battra pour nous?
Dis-nous ce qu'on doit faire. Et s'il ne faut que parler des guerriers, on n'en a pas, il faut oublier. On n'en a pas. Wani va gamer. Gauthier, nous on. Ezewan, les conséquences corrigent toujours mieux que le conseil. Regardons-nous en face et disons-nous la vérité. Nous devons retourner au Djougou ici à Amatiko pour qu'il puisse nous défendre. Hein? Silence! Silence, Onowu! Odjoukou a été banni de ses royaumes. Il n'a pas le droit de remettre ses pieds dans ses royaumes. C'est la décision des dieux. Agbanti, Ntianolo, Ebelisi, Ntesolie. Ezewan. Ezewan. Hein? Le plus tôt on aura trouvé une solution pour ces problèmes, le mieux ça sera pour tout le monde. Et nous devons le faire avec sagesse. Ne soyons pas comme les caméléons. Qui dit qu'il sait très bien que sa maison est en feu. Mais à cause de ses pas majestueux, il s'est fait brûler dans le processus. Soyons très prudents. Qu'allons-nous faire? Quelle est la solution? Trouve-nous la solution. Aisez-moi. Marakrosiaka, Gielobukake. Nous avons besoin de prendre une décision très sage. Wani va Giebe. Et pas bon, Djikachikiapa. Et dis-nous alors, qu'est-ce que nous devons faire? Au lieu du problème, présente une solution. Dis-nous ce qu'on doit faire. Les dieux sont silencieux. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Hein? Hein? Opioma? Papa? Opioma! Mais voici. Opioma, viens ici! Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Papa. Pourquoi tu n'as pas poussé de l'eau pour boire? Hein? Papa, je n'irai pas à la rivière aujourd'hui. Oh. Papa, c'est parce que j'ai peur. Je ne vais pas être kidnappée comme la princesse a été. Et même à Woma. Sur la rivière, papa, je ne vais pas mourir. Hein? Mais pourquoi tu n'as pas appelé ta sœur d'être accompagnée à cette chose? Papa, Udoka a aussi peur. Il n'a même pas de la nourriture dans la cuisine. Pardon, nous n'avons pas besoin de se faire kidnapper comme les autres. Il n'y a pas de bois ni de l'eau à la maison. Alors, il n'y a aucune nourriture pour moi. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui se passe avec vous, les filles? Où est Udoka? Papa, elle est dans l'endroit où on allume le feu. Udoka! Udoka! Namo! Wiki, viens ici! Viens ici, papa? Udoka! C'est quoi ton problème? Non, nous avons peur. Nous ne pouvons pas aller puiser l'eau parce que ce village n'a plus de sécurité. Nous ne pouvons plus aller puiser l'eau, non. Ah, donc, vous les femmes de ce village, vous ne savez pas chercher du bois et de l'eau. Pas de l'eau et du bois dans cette maison. Il n'y a pas de l'eau dans cette maison. Il n'y a pas de bois. Parce que vous pensez qu'on va vous kidnapper et de faire de vous des esclaves. Papa, tu peux nous accompagner. Tu es un homme. Hein? Ah. Si je vous accompagne d'aller chercher du bois et de l'eau. Ah, tout ce que je dois faire. Maintenant, attendez-moi. Hé, papa! Fais-y, vous tabassez! Ben, je vais vous envoyer les gens prendre du bois! C'est ça que vous voulez qu'on puisse faire! Silence! Arrêtez de pleurer. Gardez silence maintenant. Tout ça commence à prendre beaucoup de temps. Notre patience commence à avoir des limites. Nguyen, as-tu vu nos acheteurs depuis? Non, je ne les ai pas vus. Mais j'avais appris qu'ils seront à la rivière d'où moi pas là. D'après notre informateur, ils arriveront avant les prochains AFO. Ces hommes blancs nous prennent beaucoup de temps. Nous avons des esclaves forts et belles cette fois-ci. Vous ne pouvez pas les voir? Tu ne peux pas les voir? On doit augmenter le prix. On doit. Tu as raison. Bien sûr. Nous devons augmenter notre prix. Pensez-y un peu. Nous avons une princesse. Et elle est très belle. Vous savez quoi? Le prix de la princesse ne peut être comparé au prix des gens ordinaires. Nous devons demander un peu plus. Mais je suggère que nous puissions attaquer Abouane.
Maintenant, ils sont vulnérables. Ils ont chassé le sel. Le sel guerrier qui me faisait peur. Ojukwu, tirons avantage de la situation. Bien sûr, tu as raison. Tu as vraiment raison. Nous devons demander à nos gars de voir comment ajouter un bon nombre d'esclaves. Parce que plus il y a un grand nombre, plus notre argent, notre ego tcha. Allez, levez-vous. Vite, avancez. Arrêtez de crier. Vite, avance. Toi aussi. Dépêchez-vous. Avancez. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? La tristesse du roi devient énorme pour penser à une solution. Et c'est Ezewan. Elle a commencé à lui faire croire qu'il n'y a aucune aide. Comment elle peut nous dire que les dieux sont silencieux? À ces temps comme celui-ci dont nous avons besoin de leur aide. Et elle, c'est Ezewan, ne fait aucun effort pour trouver la solution. D'ailleurs, quelle est cette solution que nous pouvons avoir? Alors que nous avons banni la seule personne qui a défendu cette terre pendant beaucoup d'années, que maintenant nous avons besoin de lui, et le dieu persiste à le punir pour l'erreur que n'importe qui pouvait commettre dans cette même circonstance. Je dois faire quelque chose par rapport à notre situation. Si nos dieux ont décidé de garder silence. Abane est attaqué. Le clan a été vendu par l'un des guerriers le plus fiable. C'est quoi ça? Je n'ai pas compris. Le seul guerrier qu'on avait, c'était Ojukwu. Et il a été banni de cette terre. Alors, comment peut-il faire une chose pareille? Tu accuses un innocent pour la deuxième fois Onohu Ejimba. Ojukwu n'a pas ses mains sur tout ce qui arrive au peuple d'Abani. En réalité, son absence d'Abani est l'unique raison qu'Abani est dans cette condition. Ce que je vous dis est en réalité vrai. Qui est-ce? Je comprends pas. Tu me crées plus de confusion. Quel est le rapport entre l'absence de Ojukwu et notre problème? Tu poses une question dont tu en connais déjà la réponse. Ojukwu n'a pas le main dans ceci ou non. La présence d'Ojukwu dans Abani faisait ce que le cavalier d'esclaves ne puisse pas attaquer le peuple d'Abani. Toutes ces nouvelles ont intimidé les autres guerriers. Lorsqu'ils ont entendu qu'il avait été banni, ils ont décidé de saisir l'opportunité. L'unique façon de sauver ton peuple, c'est de faire revenir Ojukwu. Au moment où je te parle, ils sont en train de préparer une autre attaque. Qui est-ce? Tu sais, ce n'est pas à cause de notre faute que Ojukwu a été banni. Il a été banni par les dieux parce qu'il a trahi le Seigneur. Ce n'était pas venu de la bouche des dieux. Je peux voir. Tu es seulement en train d'essayer de confirmer ce que tu connais déjà. En cela, ce à quoi tu penses est vrai. Mais l'unique manière de sauver le peuple d'Abani est de chercher Ojukwu. Implorer son pardon et son intervention. Au contraire, le peuple d'Abani seront tous vendus comme des esclaves, y compris le roi. Quel rapport avec le roi? C'est quoi tout ça? Père, oui. Vous m'en avez appelé. Oui. La raison pour laquelle j'étais appelé de me voir à cet endroit. Je suis inquiet par rapport à ce que Ezewa est en train de me dire.
Ceci me rend si confus de voir toutes ces situations qui arrivent à Abani. C'est pour cette raison que je voulais que tu puisses venir. J'ai besoin de ton aide. Abani a besoin de ton aide. Mon aide? Oui, tout Abani a besoin de ton aide. Pourquoi? Tu vois, Ezewan m'a parlé de beaucoup de choses. Mais je veux juste obtenir des solutions pour ces problèmes. En effet, je dois aller chez Moine et Koukou, dont nous savons qu'elle est la plus grande sorcière de tout Wiyakwe. Mon défunt père m'avait aussi beaucoup parlé à propos d'elle. Bien. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'ils sont en train de préparer une grosse attaque contre Abani. Attaquer? Oui. Alors, on doit se préparer. Nous devons préparer tous nos guerriers. Quels guerriers que nous avons? Tu parles de quels hommes? La seule personne qui peut nous sauver de cette situation, c'est Ojoku. C'est pourquoi la seule raison que j'étais appelé pour venir me voir, c'est parce que tu es l'ami de Ojoku. Et tu sais, nous devons les trouver. Père, cela est très risqué. Et à part ça, Ojoku a disparu, dit Abani. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je sais que c'est un risque. Nous parlons de l'exclusion. Si nous sommes faibles, qu'est-ce qui arrivera avant et après nous, dans un proche futur? Il n'y aura plus communauté lorsque tu bannis tout le monde. Il n'y aura aucune communauté si tu exclus tout le monde. Alors, la meilleure chose à faire, c'est de convaincre Ojoku de combattre pour nous, de nous défendre. Essaye et convainc-les. Amène-les-moi. Nous avons besoin de lui maintenant. Ok, je vous ai écouté. Je ferai de mon mieux. Wamote, rassure-toi que tout ce que nous avons parlé avec toi ici ne soit écouté dans une deuxième oreille. Garde-les secrets. Okay. C'est bon? Les esprits de Dieu soient Merci. Avec toi. Pars maintenant. Ferme-la. Hey, désolé. Odogu, c'est comment? Eswin devrait être là maintenant, n'oublie pas. Écoute, elle t'écoute. Je promets que tu seras. Aucun problème. Ok. On attend encore un peu. Fermez vos bouches maintenant. Et silence. Bueno, qu'est-ce qui se passe juste? Que se passe-t-il? Est-ce que tu as pu voir Ike et les autres guerriers? Non, je ne les ai pas vus. Mais je les ai envoyés un message. Ils viendront à notre rencontre lorsqu'ils recevront mon message. Ogunegu, je suggère que nous changeons de lieu. C'est comme si notre localisation a été compromise. Compromis? Oui. Je pense qu'on devrait partir d'ici. Ils sont de notre chemin. A été tracé. On doit partir d'ici maintenant. Venez. Par ici. Avancez. Par ici. Avancez. Vite. Ojoku! 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 Ojoku!
qu'est-ce que tu fais ici? Ah, merci à Dieu, je t'ai trouvé. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Comment as-tu d'ailleurs fait pour me localiser? As-tu oublié qu'on venait toujours ici pour se reposer? À chaque temps qu'on voulait. Anna, tu as l'air de bien me connaître. Peu importe. Qu'est-ce que tu es en train de faire ici? As-tu oublié que vous avez tous été mis en garde de ne plus jamais avoir affaire avec moi? Ojoku, peu importe ce que tu es en train de vivre, cela m'inclut aussi. Tu es mon ami d'enfance. À part ça, je ne peux pas arrêter de venir te voir. Parce que si je fais ce que tu vis, tu n'allais pas arrêter de venir me voir. Bien sûr, j'aurais fait pareil. Comment va le peuple de Abagne? Ojoku, le peuple de Abagne est perdu sans toi. On a besoin de toi. Les rebelles, ils ont envahi Abagne jusqu'au point que ils ont enlevé la princesse. Les hommes sages m'ont envoyé de venir t'appeler, de venir nous sauver. On a besoin de toi. Et es-tu celui qui dit ceci? Comment peux-tu venir ici pour me convaincre? N'étais-tu pas là? N'étais-tu pas là quand j'étais banni? On m'avait dit que l'Adjani de Agbani m'avait même rejeté. Je ne peux pas retourner à Agbani. C'est seul un chien qui retourne vers ce qu'il a vomi. Je ne peux pas retourner à Agbani. Rentre à la maison et dis à Onohu que moi, Ojoku, le fils de Chukuma, ne veut pas répondre à son appel. Ojoku, quoi que ce soit, n'oublie pas que tu appartiens à Abani. Et Abani t'appartient. Tu peux pas abandonner tous les sacrifices que tu as fait avec bienveillance. Tout ça ne doit pas être en vain. Et j'ai exactement tout donné. J'ai absolument tout donné pour Abani. J'étais la seule personne à survivre à la bataille de Miriago. J'ai perdu absolument tous mes frères. Sept ils étaient. J'ai tout donné pour Agbani. Je suis revenu avec des meurtrissures. Et tout ce que Agbani a pu me donner en retour, ce n'était rien par me bannir. Je suis désolé, mais je ne peux pas retourner à Agbani. Ojoku, attends! Ojoku. Est-ce que tu réalises que j'ai perdu 7 de mes frères dans la bataille pour Miriago? Oui, certes. Alors que je me battais pour Agbani. Je le sais. Est-ce que tu te souviens également que j'avais pris des meurtrissures et des plaies dans cette bataille pour Agbani? Tu étais vite venu me traiter quand je suis revenu de là. Oui. Après tous les sacrifices ainsi que tous les prix que j'ai payés pour garder Agbani sain et pour protéger ce dernier, qu'est-ce que j'ai obtenu en retour? Et là, tu me demandes d'aider Agbani à nouveau. Après tous ces sacrifices, tout ce que j'ai eu en retour, c'était l'expulsion. Et on m'a même dit que le Adjani de Agbani m'avait rejeté. Ils ont juste besoin de moi maintenant parce que ils veulent mon aide. C'est ce pourquoi ils se sont souvenus de moi. Je ne peux plus poser mes pieds à Agbani à nouveau. Ojoku, tout le monde sait ce que toi tu as dit accomplir. Le roi était inquiet à propos de ça depuis que c'était arrivé. Même le roi et les hommes sages étaient contre cette idée. Malgré tout, les Ezewani ont insisté que le dieu voudrait que toi tu sois simplement banni. Et alors pourquoi est-ce que le roi a besoin de moi? Pourquoi est-ce que Leono demande à me voir?
Il devrait juste aller voir les Ezewan et lui demander de supplier les dieux pour une aide. Je ne peux plus poser mes pieds sur Akban, Yanfo. Ojuku, ne laisse pas que tout ce que tu as fait pour Abani soit en vain, mon cher. Souviens-toi des souffrances que tu as vécues pour Abani. Le sang que tu as versé durant tes combats pour Abani. Ne laisse pas tout cela soit en vain. Et n'oublie pas, mon cher, si tu ne viens pas à Abani pour nous aider, la femme que tu aimes finira par devenir une esclave. Et je ne peux pas rester en vie et regarder la femme que j'aime devenir une esclave. Alors, tu dois venir à Abani pour nous aider. On a besoin de ton aide. S'il te plaît. Ojuku. Ojuku. Je vais aller avec toi pour aider Akban. Mais c'est seulement à cause des gens que j'aime. Et pour la femme que j'aime. Ok, allons-y. Salutations, Ono. Je suis très content parce que tu as accepté finalement de venir me voir. Je sais que Abani a été méchant avec toi. Et je te donne ma parole. Je vais l'arranger. Onohu, ce qui est fait est fait. Et vous ne pouvez pas le défaire. Je suis revenu à Akbani seulement pour les gens que j'aime. Je ne peux pas être en vie et regarder les gens que j'aime capturés ou vendus comme des esclaves. C'est ce pourquoi j'ai décidé de venir en aide. Ojuku ne peut pas mourir. Tu sais pourquoi les dieux t'ont gardé en vie jusqu'à maintenant? C'est le moment d'aller au champ de bataille. Le dieu te protégera et te ramènera en vie. Pour ton bon cœur et l'amour que tu as pour les habitants de Abani. Ces derniers temps, notre roi est confus et ne sait pas quoi faire. Notre princesse a été enlevée. Qui sait quel guerrier lui a capturé? Ah! Ojuku! Anna, reviens. Laisse-la tranquille. Je vais m'occuper d'elle. Onohu, nous devons partir maintenant. Avant qu'il ne soit trop tard. Allons-y. Angolika, tu ne vas pas croire ce que j'ai vu aujourd'hui au village. Qu'est-ce que tu as vu que tes yeux n'ont jamais vu avant? Aujourd'hui, j'ai vu Ojuku au village. Oh là! Ta bouche te cherchera de problèmes un jour. Hein? Tu ne fais que parler par-ci, par-là. Toi et les boucans, vous êtes proches, comme ça. Quel Ojuku que tu as vu? Nous savons tous qu'Ojuku a été banni de ces villages. Hein? Angolika, arrête ça. Je sais ce que j'ai vu. Et c'est pas tout. Je le vis avec Ono et Anayo. Oui. Ne permets pas à ta bouche de te conduire vers une tombe prématurée. Maintenant, écoute-moi. Ce secret doit rester entre vous deux. Il ne doit jamais sortir de vos lèvres jusqu'à ce que je finisse ma mission. Car sinon, vous mourrez moi derrière vous. Anna. «
Anna, Ojoku, je pense que tu devrais retourner au village maintenant. Non, Ojoku. Je veux aller avec toi. Tu auras besoin de mon aide. Non. Anna, je ne veux pas du tout que tu risques ta vie. Je suis beaucoup mieux seul. Et je connais la forêt de Hago mieux que toute autre personne. Juste retourne dans le village et attends mon retour. Ah. D'accord, parce que c'est ta volonté. Mais le Dieu te protège, mon ami. Ici. Ok, prends soin de toi. Tu veux dire que Anna n'est pas ici dans son palais? Exact, mon roi. Je ne comprends plus rien. As-tu cherché partout? Mon roi, je suis allé dans sa hutte moi-même, mais il n'y a personne là-bas. Où pourrait-il se trouver? Mon roi! Anna! Où étais-tu? Mon roi! J'allais vers la rivière. Je vis les trafiquants des esclaves. On les a suivis. Mais ils ont fui. On les a suivis. Ils ont fui dans la forêt. Nous nous sommes décidés de retourner. Les trafiquants d'esclaves encore? Dans mon royaume? Itemba! Mon roi! Apprête tous les jeunes guerriers et on se met en route! Exact, mon roi. Anna, allons-y. Arrêtez-vous là tout de suite, maintenant. Fermez-la, je vous dis. Idélé, Beaucoup. Tu dois aller chercher Ike ainsi que les autres guerriers. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas ici. Nous n'avons pas le temps, maintenant. Bientôt, les hommes vont arriver. On a besoin de plus d'esclaves. Je vais en trouver plein cette fois-ci. Vas-y, maintenant.
Laissez-vous. Viens, au secours, viens. Quoi? Comment est-ce qu'il est arrivé là? Et vous fermez vos sales gueules. Fermez-la. Avancez. Dépêchez-vous. Au secours, viens. Avancez. Fermez-la. J'ai dit fermez-la. Avancez, dépêchez-vous. Il est là. Qui es-tu? Je suis Ojukwu, fils de Ojukwu. Les dieux sont silencieux. Et c'est moi, hein. Et quand t'es mon gars, et tu dois supplier le dieu de parler. Je suis sur le point de perdre l'unique enfant que j'ai. Et te voilà à me dire que les dieux sont silencieux. Ce n'est pas possible. Que fais-tu dans ce royaume? Comment oses-tu mettre tes pieds dans le royaume d'Abani? Je t'avais banni et interdit de remettre tes pieds dans ce royaume. Comment oses-tu? Et c'est moi, Nyamiri. Pourquoi as-tu permis que ton cœur puisse te dicter contre la volonté des dieux? Wanyi Koko. Pourquoi es-tu entré dans ma terre sans ma permission? Pourquoi es-tu entré dans mon territoire sans mon consentement? Mes salutations, Votre Majesté. Salut, Wale Koko. Sois le bienvenu sur la terre d'Abani. Merci, Votre Majesté. Les dieux
ne sont pas muets ou aveugles. Moins encore inconsidérés. Aisez-moi, Nimiri. La tigresse d'Abani. Pourquoi as-tu laissé ta haine prendre les dessus à la grâce que le dieu a accordée au Djoko? Comment oses-tu? Comment oses-tu, Wani Koukou? Comment oses-tu me défier dans mon territoire? J'ai toujours désiré Ojoku, mais il ne m'a jamais prêté attention. Ojoku, le grand guerrier, le lion de la forêt, l'homme béni par les dieux, l'élu de mon cœur. As-tu pensé à propos de ce que je t'avais dit la fois passée? Je te veux et je t'ai promis que tu ne vas pas le regretter. Ezewang, tu sais très bien qu'il y a déjà quelqu'un que j'aime. Je suis fiancé à une autre fille et je lui ai déjà donné ma parole. Je l'aime et elle m'aime elle aussi, alors je ne peux pas l'abandonner maintenant. Je ne reviens jamais sur ma décision. Tu l'aimes? Exact. Ojoku, tu l'aimes? Mais qu'est-ce qu'elle a à t'offrir? Je possède les terres, le pouvoir et l'autorité. Le royaume entier d'Abani est entre mes mains. Je peux t'offrir tout ça, Ojoku. Sois moi et tu obtiendras tout ce qui est à moi. Ezewang, je suis Ojoku. Je ne peux jamais revenir sur ma parole. D'ailleurs, mon amour n'est pas à vendre. Je ne peux pas échanger mon amour contre un trésor. Je suis désolé, mais je ne peux pas t'accepter. Salutations, Ezewang. Tu es venu dans ma hutte aujourd'hui. Est-ce que j'ai un message venant des dieux? Non. Je ne suis pas venu avec un message des dieux. Mais plutôt un message personnel. Que puis-je faire pour te montrer que je tiens à toi? Hein? Que puis-je faire pour te montrer que je t'aime? Ezewang, je te l'ai déjà dit. Je te l'ai dit déjà à plusieurs reprises que je ne t'aime pas du tout. Je suis déjà fiancé à quelqu'un d'autre, alors il n'y a rien que elle et moi puissions faire à propos de ça. Tu ne peux pas me convaincre. Je pense que tu devrais arrêter d'essayer. Hein? Arrête d'essayer, je t'en prie. Ojoku, donne-moi une chance. Accorde-moi une chance et je te ferai tomber amoureux de moi. S'il te plaît. Chérie, mais qu'est-ce qu'elle était venue faire chez nous? Elle n'est pas de bonne humeur. Ne t'en fais pas, elle était venue livrer un message venant des dieux. Quel était le message, mon amour? Ne t'en fais pas, mon amour. Je te dirai ça plus tard. Ok. Allons à l'intérieur. Revenu de la grande bataille d'Umbiriagou. Sa notoriété ne faisait qu'accroître
et la haine que je ressentais pour lui ne faisait que s'accentuer. C'est maintenant très intéressant. On n'a jamais parlé de lui dans tout le village. Ma sœur, tu peux le dire à nouveau. Je l'aime beaucoup. Il est tout pour moi. C'est-tu entendu par des dieux? Et tu es aussi chanceuse parce qu'il t'aime beaucoup. Salutations, Ezewan. Alors, j'avais appris qu'il avait bu de l'eau dans la rivière Dungene. Et cela, le jour d'Onguanu. Je m'étais décidée d'utiliser mon pouvoir pour causer la mort de plusieurs personnes au village. Accusé à tort. J'avais banni Ojuku parce que je n'arrivais pas à la voir. Ojuku, s'il te plaît, pardonne-moi. Pitié, pardonne-moi. Je ne vois rien. Je ne vois rien. J'ai tué Adam, ton amour. Ezewan, tu as fait quoi? Je suis désolée, pardonne-moi. Ezewan et Miri est méchante. Hey! Et aussi diabolique. Et tu mérites la colère des dieux. Oui! Hey! Adama! Non! Hey! Hey! Abomination! Incroyable! Hey! Votre Majesté, ça n'a jamais été le souhait des dieux de bannir Ojuku. Ezewan et Miri est méchante et sans cœur. Elle mérite la colère des dieux. Oui! J'étais très troublé par les conditions des Abani. Et spécialement, quand Ezewan disait que les dieux sont silencieux, je devenais encore plus troublé. Ce qui m'a poussé à aller chez Uwanyekoko pour chercher une solution. Elle m'avait dit que la seule solution au problème des Abani est pour faire en sorte de ramener Ojuku à Abani. En effet, je n'avais plus de choix. Alors, j'ai cherché son amie, Ahana. Je lui ai demandé de convaincre Ojuku de revenir. Et Ojuku est revenu. Et aujourd'hui, voici les résultats. Oh non! Igwe! Tu as bien fait! Merci! Ojuku, mon fils! Je ne sais quoi dire. Ah. Je te remercie une fois de plus pour avoir sauvé mon peuple.
je veux te demander une chose. Mon fils, s'il te plaît, je veux que tu prennes ma fille en mariage. Hey! Pour que tu deviennes le prochain roi quand j'aurai rejoint mes ancêtres. Ouh! J'ai absolument tout perdu pour Akban. J'ai perdu mes frères. Et maintenant, j'ai perdu la femme que j'aime. Ah. Mais je vais accepter votre offre. Les atrocités que ces hommes ont commises vivent avec eux et même après eux. Ojoku, emmène-les dans le palais pour leur jugement final. Lève-toi, donne vite ton épée. Maintenant, avancez.